J'ai dû appeler la police. Je les ai expliqué la situation. Je suis sûre qu'il a entendu la conversation que j'avais avec mon cousin au téléphone. S'il est en train de frapper à la porte, c'est... Je ne sais pas ce qu'il était venu faire à la porte. Il ne voulait pas revenir. Pas après, c'est pas 18 ans. Mais tu fous quoi? Tu sais pas ouvrir une porte? Tu t'es mis comme ça, non mais t'as pas... C'est quoi cette merde? C'est pas faire la vaisselle! Le mec il est rentré, genre il est pas sur la cuisine, genre c'est n'importe quoi! Mais pourquoi je fais la vaisselle? C'est à toi de la faire! Toujours sur le téléphone avec ta famille là! Poubelle! Poubelle le téléphone! Ses yeux étaient rouges de haine. Touche pas à ton téléphone, ok? Il puait le café. Touche pas! Tu me touches pas, je te parle pas mal! Je l'avais déjà vu en colère. Mais là, je ne le reconnaissais plus. Je voulais le calmer. Le parler... Tu fais peur! Lève-toi! J'aurais tout fait pour que ça se passe différemment. Lève-toi, tu te... Dans un moment de colère, mes mots se sont échappés. Je lui ai dit ce que je regrettais le plus. Dis-moi ce que t'as dit. Dis-moi! Mais ta grand-mère, ça aurait dû être toi qui meurs! Tu lui as dit quoi là? Je suis désolée. Je ne l'avais pas fait exprès. Pas après ce qu'il avait vécu. J'aurais dû le raisonner. M'excuser. Tue-moi. Et en plus de ça, ces mots qui m'avaient insulté autrefois résonnaient dans ma tête. Tu penses que je suis traînée, c'est ça? Tu me laisses une putain d'ordure, ok? Tu m'as fait, t'aurais déjà frappé à moi 5 fois! Non! Mais vas-y, frappe-moi, arrête! Vas-y, frappe-moi! Fais-moi laisser, Ils m'ont dit que ce n'était pas une personne méchante, mais qu'il avait besoin d'apprendre que ses actions avaient des conséquences. Je l'ai fait pour ma protection, mais aussi par amour. Surtout par amour. J'avais peur de l'avoir transformé en monstre. La porte! Je l'aime tellement.